Là, on a le soleil qui nous tape en pleine face sur le front, là, comme... On a comme les petits yeux. On va pas se plaindre. Non, il fait vraiment beau dehors. Mais moi, en fait, avec Coffee and Friday Talk... Hein? Talk? Écoute, Linda, faut que tu me racontes le design. D'où ça vient? Oh my God, d'où ça vient? C'est quelque chose que j'avais toujours été intéressée à la base depuis longtemps, des années ou quoi que ce soit. C'est juste que quand j'étais plus jeune, ok non, faux. Ma première passion était de vouloir entrer en design de mode. Moi j'étais en design de mode. Oh, vrai? Oui. Je savais pas. Oui, écoute, on réalise qu'on a tellement de points en commun comme en se tenant ensemble ou en parlant. Oui. C'est vraiment trop le fun. Donc ça a commencé par ça. Je voulais rentrer en design de mode au cégep. Marie-Victorin? Ouais, exactement. Oui, exactement. C'est là que j'ai été. Ouais, oui. Parce que c'est ça. J'ai une cousine qui faisait des dessins. Oh, elle était tellement bonne, elle m'avait inspirée. Fait que j'étais comme, ok, j'allais en design de mode. Okay. Mais là, on me disait, oh, mais là, design de mode, ouais, ça ouais, va ouais, pas ouais. Payer des factures. On m'a dit la même chose. Fait que, bon, ben, je suis allée en éducation d'enfance. Puis, après 12 ans de carrière, j'étais comme, ok, non. Je sais que je peux amener ma créativité à un autre niveau, je veux dire. Travailler avec les enfants, t'exploites beaucoup ta créativité, mais I needed more. Ouais. Donc, j'ai tout comme lâché, puis j'étais comme, ok, j'y vais, je rentre, ça y est, je rentre en design d'intérieur. Ok, mais il y a le fait aussi que comme quand je me suis mariée, juste en décorant banalement t'avais mon découvert appart. Comme le plaisir. L'intérêt, exactement. C'est beau, l'intérêt. Merci. C'est vraiment beau. Puis quand les gens venaient à la maison, ils étaient comme, ah, oh, ok, ben, tu sais, tu devrais y penser, tout ça. Puis là, je me suis dit, ok, ben, why not? Puis je me suis lancée. Puis c'est à partir de là. Oh non, mais je vous dis, elle est venue décorer chez nous, mon salon complet. Puis là, maintenant, elle va vous le montrer éventuellement en story ou en, sur IG. Ma table de cuisine, elle a tout retapé ça. Elle est vraiment belle, ma table de cuisine. Oh, merci. Oui. Merci, ça fait que j'ai vraiment... Donc, Lina, dis-moi, quand tu rentres dans une pièce, exemple, on te donne, comment je t'avais donné mon salon, dis-moi, c'est... Où l'inspiration te vient? Comment tu fais comme pour imaginer ça dans ta tête puis rendre ça super merveilleux? OK, bonne question, parce que... J'y vais, ben comment ça se passe? Ok, on va dire que tu es cliente, donc je te demande à ce qu'on se rencontre. Je demande tout le temps qu'on se rencontre dans l'espace qui va être à designer, à changer et tout. Donc à partir de la première rencontre, j'analyse les besoins. Ok. Donc si le client me dit, je te donne carte blanche, oublie ça, ça c'est comme ouf, la joie, la vie, puis comme j'y vais à fond. Ça te fait pas peur des fois quand on te dit carte blanche? Ça me fait un peu peur. C'est drôle parce que comme je regarde du design, j'en mange du design, comme je suis tout le temps sur Pinterest j'écoute sur YouTube Architectural Digest et j'ai des magazines, donc j'en mange du design, mais quand on me dit ta carte blanche, tout d'un coup je suis comme what if she doesn't like it? Mais c'est ça, parce que c'est sûr qu'elle va aimer, mais on dirait que des fois on a comme le non! Oui, on a le deux. Oui. Je pense que c'est partout, c'est n'importe qui. Oui. Même une maquilleuse qui va aller maquiller quelqu'un, oui. Je veux dire, malgré que tu sais que tu es bonne dans ta job, mais tu as quand même le stress de. Je pense que c'est le stress de la performance de livrer la marchandise. Oui, effectivement, parce que là, c'est vraiment, c'est juste toi. C'est ça. C'est ça. Fait que là, tu vas vraiment aller avec ta créativité, ton moi, idée, toi. Moi, puis ce qui se passe dedans, exactement. Fait qu'après avoir analysé les besoins du client, j'amène tout ça chez moi, puis je suis comme, OK, brain, oui, let's start to work. Tu comprends? C'est le temps de commencer à penser. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai carte blanche, ou même quand j'ai pas carte blanche, la première chose que je fais, c'est que quand je rentre à la maison, je fais mon plan. Donc, si j'ai un plan d'espace à faire, je le fais. Là, maintenant, je vais chercher des idées de style par rapport au style de la personne. Parce que chaque design a son style, tu comprends? Donc, tu sais, ça peut être un style un peu plus beau, un style plus éclectique, un style plus... T'as-tu un style qu'on te demande plus qu'un autre?
ou c'est vraiment par rapport à chaque client? Je te dirais que les clients vont pas avec le style. J'ai remarqué que les clients vont beaucoup avec l'argent, la poche. Donc, je veux dire, c'est comme ce que tu peux me donner pour ce montant d'argent-là qui va être super beau. OK. So far, tu sais, ça fait pas longtemps que j'ai gradué. Donc, quoi, ça fait à peine 3 ans que je suis designer d'intérieur. Elle est déjà exceptionnelle. Trop gentil. Donc, les clients, ils s'arrêtent pour l'instant plus à l'argent. Mais, tu sais, je crée aussi en fonction de qu'est-ce que je vois. Tu sais, admettons, je prends cette cliente. Je la suivais sur Instagram un peu avant qu'elle me contacte et tout. Puis j'étais comme, OK, celle-là, là, elle a besoin d'un style classique, professionnel, moderne et tout épuré. Puis quelque chose de pas trop coloré. Donc, je vais sur leur page, ils ont des Instagram, pour regarder quel genre de photos qu'ils posent. Mais en fait, c'est ça. Tu t'inspires de ta cliente pour vraiment lui offrir ce qu'elle aime le plus. Comme exactement, tu dis, exactement. Être neutre, tu n'iras pas avec. Tu peux proposer, j'imagine. Ouais, oui, mais tu suis quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'espace dans lequel que tu vis, admettons, si j'aménage ton espace de travail, c'est différent. Tu sais, je vais aller chercher des choses qui vont te motiver, mais si c'est un espace dans lequel que tu vis, mais c'est sûr que c'est pas que j'oserais pas. Tu sais, j'irais pas te proposer comme un sofa rouge, on va dire, pour quelqu'un qui aime vraiment le neutre. C'est vrai que c'est un peu plus osé, mais en même temps. Elle a ses raisons pourquoi elle aime plus le neutre. T'sais, moi, j'aime beaucoup le neutre dans ma chambre parce que ça calme mes pensées. Mais si ma designer me propose de le sofa rouge, là, tu viens d'augmenter mon niveau d'anxiété. C'est vrai, là, tu dis, c'est vrai, au niveau des couleurs, on n'y pense pas, mais je pense que les couleurs nous affectent beaucoup. Ah, énormément. Je veux dire, c'est prouvé. Chaque couleur a sa manière d'affecter ton toit. Ton vibe, ton toit. Exactement. Comme tu dis, si tu te lèves dans ta chambre et il y a du rouge, du jaune versus du. Ben, c'est ça, mais beige, tes nerfs vont être un peu plus excités. Mm-hmm. Dont la raison pour laquelle tu disais que si tu vas dans une shop santé, genre, ben, tu verras plus de vert parce que la santé va être reliée au vert, à bien manger. Dans les hôpitaux, tu vas trouver du bleu pâle, tu sais, pour que ce soit serein, que ton anxiété calme, ton stress, exactement. Tu vois, tu vas aller dans un gym, tu vas retrouver du jaune, tu vas retrouver des couleurs un peu plus. Pour te donner t'entraîner à fond. Donc on appelle ça la psychologie des couleurs. Ouais, t'as bien raison. Et Linda, dis-nous, toi, ton style, c'est lequel? OK. Moi, je suis un mélange de plusieurs styles. Quand tu rentres dans ma petite entrée, je sais pas pourquoi, maintenant j'ai installé un neon light. OK. Fait que tu rentres, c'est très comme, si quand je le mets le soir, ça fait très comme, oh, vibe clubby. Oh, nice. Fait que après ça, quand tu rentres dans le salon, quand même assez relax, un peu plus foncé, avec des cadres, ça fait comme un peu vibe my land. J'ai oublié. Mais après ça, la salle à manger, elle, c'est comme le kitchen nook. Oh, j'aime énormément ce petit coin-là. Beaucoup de couleurs. Mais par contre, là, quand on rentre dans ma chambre à coucher, OK. Là, c'est neutre, neutre, neutre. C'est zen, on est bien. Couverture blanche, oreiller de couleur blanc, comme les rideaux en lin, le tapis pour te sentir confortable. Fait, je pense que chaque différente air de chez moi a son look. A son look, mais c'est comme une représentation de moi-même. Oh, nice! OK, ouais. J'aime ça! Parce que quand on est dans la chambre à coucher, comme je disais, je suis une fille qui fait de l'anxiété, puis mes pensées vont parfois 100 000 à l'heure. Puis je pense tout le temps. Puis il suffit d'une chose pour que comme mes pensées comme prennent le dessus et tout. Donc j'ai besoin de quelque chose pour calmer ça. Et ma chambre, elle me calme. Ma chambre, c'est là que je travaille, c'est là qu'il y a mon bureau. Wow. Donc c'est là que je produis aussi. Donc j'ai besoin de ce calme-là. Après ça, salon, salle à manger, plus l'entrée. C'est le côté de moi qui aime être un peu funky, comme, qui aime pas être comme tout le monde. Qui aime, mais au fond, c'est pas qui aime pas être comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. C'est exactement. Toi. Je parle pas nécessairement du style vestimentaire, mais ma manière de penser, comme
souvent, on me dit que je suis différente, puis que je suis bizarre. Bizarre? Mais qui est bizarre? Mais non, tout le monde a sa personnalité. Il faut embrasser, embrace. Exactement. Qui tu es. Exactement. Que, ça, non, je suis d'accord. C'est zéro bizarre. Ouais. Fait que non, c'est ça chez moi. Puis écoute, tu as retrouvé du tapis, des coussins. J'aime ça, me sentir bien, confortable et tout. Mais je pense que tout le monde aime ça. Mais chez nous, c'est ça. Quand tu rentres, c'est là où est-ce que tu passes tes journées, tu sais, on vient du travail ou quoi que ce soit. Quand tu rentres à la maison, quand t'es bien installé, c'est apaisant, c'est à ton décor. C'est... Tu te sens juste bien, donc c'est ton arbre de pêche et tout. Oui, exactement. Hey, je suis vraiment contente, Linda. Oui, c'est vraiment le fun. Donc écoutez, aujourd'hui, Linette avec moi au Coffee and Friday. On a essayé le coffee talk. Donc dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Puis je pense que Linda, ben, on va faire ça tout le temps. Mais félicitations à toi, Steph. Oh, merci. Parce que j'aime vraiment le concept de comme. De se promener chaque vendredi, oui. de nous faire découvrir les nouveaux cafés à Montréal. J'ai une belle passion pour ça. Mon frère est là, il est juste derrière, vous ne voyez pas. Ah non, ah voilà. Il n'est jamais trop loin parce que c'est tout le temps avec mon frère qu'on se promène à tous les vendredis. Et aujourd'hui, Linda nous a accompagnés. Je suis vraiment bien contente que tu sois avec nous. Est-ce qu'on peut dire aussi aux gens de Coffee and Friday, ceux qui suivent la communauté, qui suivent Coffee and Friday, que c'est pas nécessairement seulement pour du café, parce que oui, il y a des adeptes de café, mais moi, j'aime ça aller dans du café juste pour... prendre juste un petit drink normal, on comme si là on a comme la limonade ou quoi que ce soit. C'est la vibe, c'est en dehors de juste le café, c'est aller prendre un café, c'est beaucoup plus que ça, c'est aller socialiser, aller parler, aller travailler, aller s'inspirer. Exactement. Donc c'est vraiment un concept super génial, donc tous les vendredis, on va à la découverte d'un nouveau café. Oui, en tout cas, fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire avant qu'on parte? Ben, continuez à nous suivre. Donc, je vous invite à suivre Linda sur sa page professionnelle. Donc, on va la taguer. Et continuez-nous à nous suivre tous les vendredis pour le Coffee and Friday. Et ciao!